This weekend was played the second round of the Dams Championship and Racing received Bettembourg and lost the game. In the first half the match was tight, but in the second Racing was less focused and Bettembourg took the advantage. See now the best moments from the game and the reactions of coaches and players. Hoje entrar muito bem no jogo, com um gol logo aos 3 minutos, mas depois do empate a equipa foi muito abaixo. O que é que se passou? Ah, disons, on a pas tué le match. Donc, après 25 minutes, on avait l'occasion de marquer un deuxième but. Enfin, deux fois. Après, si on ne marque pas, bah, on subit. Donc, on a subi à la 27e minute par un but de 1-1. On a fait des fautes défensives. Quand on D1, ça paye cash, malheureusement. Et bon, première mi-temps, voilà, c'était quand même assez équilibré. Deuxième mi-temps, après le 2-1, on était toujours dans le match, mais une fois le 3-1, bon, on n'était plus dedans. C'était plus du beau foot. Enfin, je n'ai peut-être pas trop reconnu mon équipe. Bon, forcément, il y a eu beaucoup d'absences au niveau comme Nathalie, comme Senada, Claudia, Carla, Bruna. Voilà, ça fait quand même des joueuses offensifs aussi. Mais bon, voilà, ce n'est pas une excuse. Hein, donc, il faut avoir une bonne équipe généralement. Mais bon. On va essayer. Donc, je pense que deux matchs, Youngminster et puis Bettembourg, ça fait quand même beaucoup d'énergie. Et forcément, on a besoin de souffler un petit peu. Bon, voilà, c'est le foot, c'est la D1. Bon, on va quand même rien lâcher. On va essayer d'attaquer directement la semaine prochaine à Rosport, où ça sera un match important aussi. Hein. Vas-y, 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 vas
Pourquoi le commentateur vous a acheté ? Je suis très content de mon équipe. C'est vraiment des guerrières sur le terrain. On a mal commencé, mais après, je pense qu'avec cet esprit qu'on a, cette mentalité qu'on a pour essayer de gagner tous les matchs, et elles ont tout donné. Les filles, je suis très très fier d'être leur coach et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'elles font un super travail. We really try to play in team to fight one for another, and I think we did good. Last season, you were the best player in Luxembourg. Do you expect to be the best again? I will try. I will do everything for because I think it's a goal for me to do this. And yes, I will try. Hope so. What is your opinion about this game? Oui, c'est vraiment compliqué lorsqu'on était en train de gagner le jeu et après on se met à perdre 4-1. On a eu des opportunités. Moi, j'ai pu tuer le match, mais je ne l'ai pas su faire. Le ballon, il a passé la transversale. Mais comme je le dis, le championnat, il est encore long. On a encore 19 matchs devant nous. On faut se focaliser et tous les points, ils comptent. Oui, on menait 1-0, puis c'est vrai qu'on doit tout de suite rentrer dans le match à nouveau, essayer de marquer le deuxième, on ne l'a pas fait. On s'est pris le 1-1 et là, on a eu du mal à retrouver dans le match et à se concentrer à nouveau. On a fait beaucoup de fautes tactiques, beaucoup d'erreurs de passe aussi. Et elles ont su nous punir, elles en ont profité et nous, on n'a pas marqué les occasions non plus. Et le tout, ça a fait comme quoi elles gagnent ce match avec 4-1. Quais pensas ser os principais candidatos ao título desta época? Niederkorn, Racing, toujours, Jong Lindster, Mamère et Linchen. Et bien sûr, j'espère Wettambourg. Sincèrement, bon, il y a quand même quatre belles équipes. Bon, il y a Jong Lindster, forcément, champion titre, Wettambourg. Bon, il y a comme Niederkorn, belle équipe aussi. Après, je mets comme le Racing. Hein, donc le Racing, on a un point en deux matchs. Forcément, bon, c'est pas le moyen où je pensais où on pouvait être. On peut faire mieux, certes. Championnat, c'est comme un marathon. Il y a encore 19 matchs, enfin 20 matchs. Tout est possible. Voilà, donc on verra. On fera les calculs à la fin. Now you can check all the other matches results of the second round of the championship. Thank you for seeing our video article. See you soon.